applaudissement. Ben le Saint-Esprit, yon applaudissement. Pour travailler la fête dans salsa, pour travailler la fête là, dans World of Life. Ben le Saint-Esprit, m'a mando applaudi Pasteur Darlens, m'a mando applaudi Pasteur Louis, m'a mando applaudi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit cap gado jour et nuit, lui-même cap gado jour et nuit. Ben yon applaudissement. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour le privilège que le banon nous prêchait la parole de Dieu. Et nous remercions sœur Naomi qui était livre pour nous. Et chapitre là. Mais ce qui est important, nous voulons qu'il y ait dans le chapitre là, c'est verset 26. Là. Verset 26 qui dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous pas prêché long, nous avons fait façon pour finir exactement 3h30. Donc, nous pas prêché trop long. Donc, nous guetons là, oui. All right. So, pendant tout mois, bon Dieu fait grâce de utiliser pasteur, pasteur Bruno Bergino pour un sujet extrêmement important. Et c'est sur le Saint-Esprit. Donc, sujet ça, nous avons plusieurs orateurs qui passaient la dernière, pasteur Darlens, pasteur Skaïna, et dimanche, pasteur Skaïna font extrêmement bon travail. Donc, nous croyons qu'après séance, ça, je dis, on a bouclé ensemble avec lui. Nous croyons qu'après séance, ça, ou pas même Jean encore, le Saint-Esprit a manifesté en l'autre façon la caille. Parce que ça qui est plus important, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est plus important dans la vie du monde. Tout parent, avant que vous quittiez terre, vous voulez pour petit monde, vous petit, vous avez une bonne vie. Vous voulez avant vous aller pour tout petit, vous avez une bonne vie avant vous déplacer. Mais vous avez qui quitte belle caille, Genao qui quitte Guacaon, Genao qui quitte Machine, et j'en passe. Donc, tout ça, yo pas qu'à permettre Timouna réussir, tout ça, pas qu'à permettre Timouna une vie de prospérité, puisque tout ça, parrain, yo quitte pour Timouna, qu'a perdu dans yon seconde. Maintenant, ça qui est plus important, plus gros cadeau, yon parrain qui a quitté pour Timouna avant de le déplacer, c'est le cadeau, c'est le trésor intérieur. Parce que le trésor intérieur la permet Timoun de garder tout trésor ou bien tout cadeau parent qui était pour lui. Donc, si vous n'avez pas de trésor intérieur, là, donc si vous quittez un caille pour lui, à cause de caille, ça, il a perdu la ville. À cause de la 40 ans, ou quoi, 40 ans, quitté pour lui, Timoun a perdu la ville. Tout. Donc, ça qui est plus important, c'est le trésor intérieur pour quitter pour un Timoun, pour le capon qui vient pour gérer les trésors extérieurs. Et avant Jésus-Christ déplacé, Jésus-Christ sous route pour traverser pour aller Galilée, Jésus-Christ a expliqué aux disciples comment il pral mourir, comment il pral livrer entre les mains des hommes. Mais il dit que comme ça, il pral tuer, mais après 3 jours, il m'a ressuscité. Et puis il m'a demandé une question, il posait une question, il dit, est-ce qu'on comprend ça m'a dit nous? Il dit, je ne comprends pas un mot, non, soit expliqué. Et cependant, nèg yo gen capacité pour yo comprendre ça Jésus-Christ a dit, hein? C'est parce que nèg yo préoccupé avec yon lot bagay pour yo konn qui est-ce qui premier, qui est-ce qui deuxième, qui est-ce qui gen plus renommé. Nèg yo préoccupé avec mentalité ça, nèg yo te ka poser question pour dire comme ça, bon, on pas comprendre ça a dit, parce que plus gros bagay qui gen c'est lorsqu'on pas comprendre ou poser question. Mais nèg yo peur, yo hésiter pour yo poser question parce que yo préoccupé dans qui place yo pral gagner les noms à mourir. C'est ça qui préoccupé nèg yo dans toute route là, pendant toute route là nèg yo a parlé, les nèg ça mourir qui place n'a gagner, qui est-ce qu'a premier, qui est-ce qu'a deuxième. Et l'apôtre Jean fait comprendre que lui dit comme ça Jésus-Christ pendant m'a venu, pendant m'a monté là, mon compter en nèg qu'a fait miracle. Non, me pousser l'aller. Comment fait nèg ça fait miracle? Non, moi-même qui l'a beaucoup même qui place mieux, beaucoup même qui bon bralier, non, ça fait miracle? Non. Parce que nèg yo préoccupé à en causer de place, qui place y a gagné.
Et c'est pas ça qui était dans le plan Jésus-Christ, l'a quitté terre. Il voulait que nèg yo gon bagay interne, yon bagay qui en dedans yo ka permettre yo suivre l'enseignement que le bayo a, la permettre yo suivre le chemin du salut. C'est ça bon Dieu Jésus t'a gain comme plan pour le bay nèg yo. Li pas de bay nèg, li pas de gain plan pour le bay nèg yo en bagay à l'extérieur, mais le penser pour le bay nèg yo en bagay interne qui reflété à l'extérieur. Après 50 jours, après 50 jours de résurrection, dans Acte 2, chapitre 1er, le jour de la Pentecôte, même Jean-Baptiste est annoncé dans Matthieu 3, verset 11. Il dit, mais moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra, il est plus fort que moi. Il vous baptisera de l'esprit et de feu. Hein? N'est qu'à venir, li pi fò pase m. Moi-même baptisé nous pour me ramener nous à la repentance. Me baptiser nous avec l'eau, mais n'est qu'à venir après nous tellement pi fò pase m pas digne pour me botte soulier, pas digne pour me botte sandali. La li même la baptisé nous d'eau et d'esprit. Et c'est ça qui va arriver le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit pral descend sous nèg yo. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, c'est la manifestation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Puisque dans Jean, le chapitre 20, lorsque Jésus paraît sous Négio, Jésus dit Négio comme ça, puisque mon Dieu voyait, moi je vous envoie, et puis il soufflait sous Négio, il dit Négio, recevez le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, c'était le jour de la manifestation du Saint-Esprit. Et lorsque nèg yo recevoir le Saint-Esprit, songez bien, Jésus dit nèg yo comme ça, puis gars au déplacer, rete à Jérusalem, rete là à Jérusalem, parce que gon blobeille qui pral éclater Jérusalem, gon travail qui pral fait Jérusalem, gon gros cause qui pral passer Jérusalem, n'amen nous toutes rete ensemble à Jérusalem, n'amen nous toutes rete là. C'est ça que belle, c'est ce que le map lit texte là, ça fait me songer le psaume 133 lorsque ça dit comme ça qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et dans verset 3, Pyrémène, il dit comme ça, c'est là qu'il envoie la bénédiction pour l'éternité. C'est là qu'il envoie la bénédiction pour l'éternité. Et lorsque le Saint-Esprit commence à manifester le jour de la Pentecôte. Il y a quelqu'un qui a posé cette question. Qui ça qu'a fait là? Qui ça qu'a fait là? Maintenant, il a posé cette question. Qui ça qu'a manifesté comme ça? Il n'y a pas qu'à connaître, il n'y a pas qu'à comprendre. C'est le Saint-Esprit qui a fait travail. Maintenant, c'est qui le Saint-Esprit? Il n'y a pas qu'à dire c'est quoi le Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit a sa personnalité. C'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est La troisième personne de la Trinité, il est égal au Père, il est égal au Fils, il est coexisté avec Dieu, il est coéternel, il est là ensemble avec Dieu depuis la création. Dans Genèse 1er, lorsque la terre dit, la Bible dit que ça, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu mouvementait au-dessus de la terre. L'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu t'est fonctionné dans l'Ancien Testament. Lorsque nous avons lu dans l'Ancien Testament, nous voyons comment que l'Esprit de Dieu était là dans l'Ancien Testament, mais l'Esprit de Dieu était passagère dans l'Ancien Testament. Il paraît à Néguio éternellement parce que l'hypothèse qu'on vient comme Jésus-Christ est annoncé, mais le Saint-Esprit est toujours descendu sur Néguio pour le dire Néguio, pour le bain Néguio habilité pour le prêcher et servir, et pour servir la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu patrait ensemble avec Néguio éternellement. Et lorsque David péchait, David dit comme ça, « Oh Jésus, bon Dieu, papa, moi, pas retirer face sous moi, pas virer dos devant moi, pas retirer esprit saint dans moi. » Parce que David fait un péché, David fait un péché qui est tellement dur. Mais David réalisait, c'est à cause de l'Esprit de Dieu qui rend en place là. Il connaît que le pagain papa qui était roi, le pagain maman qui était reine, le pagain frère qui était prince, mais c'est à cause de l'Esprit de Dieu qui fait que l'en place l'hier.
Mais si l'Esprit de Dieu est écarté de lui-même, il est dans tout ça pas bon. David a crié pour l'Esprit de Dieu pas déplacer la caille, pour l'Esprit de Dieu pas quitter. Et David réalisait que si l'Esprit de Dieu quittait, toute descendance lui a perdu. Parce que la Bible fait comprendre que descendance David prend le roi. Toute descendance David a un héritage royal. Si l'Esprit de Dieu quittait David, David perdu. David a crié pour l'Esprit de Dieu pas déplacé. Rien non moins. Et lorsque nous avons parlé de l'Esprit de Dieu, il faut que nous parlions de l'Esprit de Dieu qui bat nos caractères de la foi. L'Esprit de Dieu qui quimbe nous à garder la foi. Quel que soit Jean Saillé, quelle que soit situation la vie, il faut que Saint-Esprit aide à garder la foi. Au peuple qui a gardé la foi, pour qu'on tout, c'est son travail du Saint-Esprit. Et puis bon scénario, nous t'es qu'à expliquer dans la Bible pour qu'à aider nous à comprendre cet esprit qu'a aidé à garder la foi, c'est Matthieu 25, verset 1 à 12. Et sous dans l'évangile longtemps, c'est que on comprendre scénario ça. Lorsque la Bible a parlé des 10 vierges, les 5 phages, les 5 sages et les 5 folles, la Bible fait comprendre que lorsque les 5 folles pour aller pour rencontrer l'époux, il n'a pas pris l'huile maintenant dans l'ampio. Lorsque les 5 sages pour aller, il a pris suffisamment l'huile dans l'ampio. Et lorsque il est arrivé, il a tant d'époux à venir. Époux a tardé pour venir. Et puis dormi commencé à prendre. Lorsque dormi commencé à prendre, et puis il a pris mais époux a venu. Les 5 sages, les 5 folles réveillées, ils ont gardé lampe allumée. Lampe n'a pas allumé. Ils ont demandé bon petit tac l'huile. Bon petit l'huile parce que mes époux arrivent. Je ne sais pas où côté pour mes pieds. Je ne sais pas qui ça pour me faire. Bon petit l'huile. Ils ont demandé 5 sages. Je fais un cadeau de l'huile, non, s'il vous plaît. Mes époux arrivent. Maintenant, réponse 5 sages, elle semblait un peu égoïste. Parce que, mesdames, elle dit qu'on a l'acheter parce que ça m'a pour moi, ça m'a pas suffi pour moi. Maintenant, sur le plan spirituel, nous déjà connaissons les gens pas qu'à acheter le Saint-Esprit. Parce que l'huile signifie l'Esprit de Dieu. L'huile signifie le Saint-Esprit. Mesdames, elle pas qu'à attendre parce que l'époux arrive et mesdames, elle pas prendre suffisamment l'huile pour le mettre dans l'ampio. Ça a vraiment dupé, mesdames. Yo. Parce que mes époux a privé, mes époux a là, mais par contre, ça pour y faire. Si l'huile signifie l'esprit, ça fait me comprendre qu'il y a un pile monde qui a marché l'église. Un pile monde qui a vu l'église, mais pas suffisamment l'huile dans l'ampio. Et les 5 folles te reconnaître Jésus-Christ est pour agir pour venir. Mais il n'a pas fait assez provision pour époux. Et vous avez l'église chaque jour. Vous avez là chaque jour, mais est-ce qu'on fait provision? Est-ce qu'on fait provision pour Messie? Est-ce qu'on fait provision pour époux? Lorsque y a prélé mes époux à venir, est-ce qu'on peut le crier, faire un cadeau de tac l'huile? Pasteur Enson, est-ce qu'on peut le mettre l'huile? Pasteur Elric, est-ce qu'on peut le mettre l'huile pour mettre dans le plan? Est-ce qu'on peut le mettre l'huile, Pasteur Dallens? Est-ce qu'on peut le mettre l'huile? Parce que mes époux arrivés, l'homme moins pas l'humain, l'esprit pas la caille moins, est-ce qu'on peut le mettre l'huile? Et me garantis, vous m'avez même réponse 5 sages. Ça me gagne le pape suffit pour moi. Dans le temps pour là, lorsque tu as il faut que tu aies fait provision pour ton époux. Il faut que tu aies dans la lecture de la parole de Dieu. Il faut que tu aies dans jeune pour grandir l'esprit qui l'a caroua. Est-ce que tu as fait provision pour l'esprit? Est-ce que tu as fait provision pour ton époux? Vraiment. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint,
nous aide à garder notre caractère. Caractère, c'est pas bagaille au vent dans marché. Caractère, même sous ta l'école, théologie, ou bien tout diplôme nécessaire. Yo pas qu'à former caractère. C'est à cause de caractère au monde qu'à suivre. Sous son chrétien de caractère, c'est là ça ou je l'autre monde suivre. Sous pas qu'un caractère, l'a toujours difficile pour monde suivre. Diplôme pas bay caractère. Rang social pas bay caractère. C'est ça qui bay caractère, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui forme caractère yon chrétien. C'est l'esprit de Dieu qui forme caractère yon homme. Caractère bay attire la loyauté la caille. Lorsque disciple avant la croix, lorsque yon arrêté Jésus, yo mande disciple, est-ce qu'on connaît nom ça? Elle va dire m'pa connaît nom ça. M'pa connaît pas fourer dans l'eau ça, m'pa connaît. Mais lorsque le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, caractère n'a yo changé. N'a yo voulait mourir pour la parole de Dieu. Pas gen rien qui a changé parole n'a yo. N'a yo campé là et ferme sur la parole de Dieu. Même si yo tue la parole n'a pas changé parce que caractère ne change pas. Quelle que soit situation, caractère pas doué changer. Et même genre les caractères numériques. Si on prend numéro 1, même l'enlever à 4 du matin, 1 toujours est 1. Ou voyager dans tout pays, ou avion 1 est 1. Même si on prend caractère alphabétique, ou prend la lettre A, quel que soit quand on voyage, A est A. Il n'est pas changé. Maintenant, lorsqu'on prend l'homme sans Dieu, sans l'esprit, parole yon dou jodia et pas yon dou demain. Moun ouè jodia et pas loué après-midi. Même si tu as tout diplôme, ce n'est pas diplôme qui est important pour moi. C'est qui caractère ou gagne dans l'évangile? Qui caractère ou gagne? Parce que c'est l'esprit qui forme le caractère de l'homme. M'a besoin de qui grosse congrégation, qui gorad ou metsou, qui gorad holiness ou. Mais qui est-ce? Combien moun kombarad ça? Combien de monde? Vous devez mettre chapeau mais au terre pour pouvoir au sein. Mais est-ce que vous avez un caractère? Je dis que la pensée détermine le sentiment. Le sentiment détermine le comportement. Le comportement détermine ton habitude. Et ton habitude détermine ton caractère. Puis gros cadeau, bon Dieu baille l'humanité, c'est l'image de Dieu. L'image qui fait référence avec caractère de Dieu. Soit après les têtes ou chrétiens, soit après les têtes ou être comme Christ. Et puis caractère n'a pas changé. On est dans l'église longtemps, oui ou pas oui, non ou pas non. On est dans l'église longtemps. Et puis, on dit que ça vous manifeste par le Saint-Esprit, ou parlez en langue, tout bagaille, mais ou pas de caractère. Ça, c'est un manque de Saint-Esprit. Et nous, quand même, prenons l'histoire de Ananias à Saphira. Mounsayo. Yo pa kembe karakter yo. Yo pa kembe oui yo. Yo pa kembe parol yo. Yo pa sérieux nan sa y ap di. Sou bezwen moun suiv ou. Moun pa suiv ou selon jon viv. Moun pa suiv ou selon bel ka ou gen. Bel vi ou pa iti lan yen pou moun. Men se e parol ou. C'est Jean Kembe parole ou est-ce que ou même avec parole ou fait en seul? Parce que Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il fait en seul. Dans les œuvres du Saint-Esprit, Saint-Esprit pas qu'a fait ça. Bon Dieu pas ordonné le fait. Saint-Esprit pas qu'a parlé. Ça, bon Dieu pas parlé. Saint-Esprit pas qu'a défaite.
Ça, bon Dieu, pas mandé le défait. Yo tout travail en commun accord. Parce que yo doit prouver parole yo. Yo doit camper pour parole yo. C'est une raison qui fait l'Éternel dit que sa parole qui saute dans bouche, il pas retourner vivre ni sans effet. Parce que il connaît l'a accompli promesse. Maintenant, je dis à Sindamando, qui personnage, qui est le plus gros personnage qui dans le monde, qui est-ce qui est le plus gros renommé dans le monde? Ou pas peur pour garder pour dire que ça, Donald Trump, Bill Gates. Comprenez? Ou pas peur pour citer gros nom, moun yo, gros nègre ou connaît kap, ou après chaque jour devant yo. C'est nous, ça, yo, pral citer pour moi. Mais cependant, si prend le temps pour réfléchir, ou après que le Saint-Esprit, c'est lui qui contrôle la joie, la vie, la paix. C'est lui-même qui est clair, c'est lui-même qui gagne contrôle le monde. C'est lui-même qui est le plus gros personnage dans le monde. Le Saint-Esprit, il est là pour permettre à suivre et continuer les enseignements de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement un consolateur éternel. Attendez bien, consolateur éternel. Consolateur éternel. Ça veut dire, quel que soit ça lié à, non soit lié à, le Saint-Esprit, il est là éternellement, le pape Kito. Maintenant, il est là pour Kimbo dans l'enseignement de la parole de Dieu. Vous pouvez appeler la Bible chaque jour, pendant un an, pendant 10 ans, ou l'île, ou relire, mais pas faire aucun impact spirituel sur vous. Ou appeler un verset chaque jour, mais pas faire aucun impact sur vous. Mais lorsque le Saint-Esprit a enseigné, lorsque c'est le Saint-Esprit qui a enseigné, green verse sont après cité chaque jour, ou après différents en green jour. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a enseigné la parole de Dieu. Et un homme, un Éthiopien qui a voyagé. Lorsque l'Éthiopien a voyagé, et puis l'a appelé livre d'Esaïe, et puis Philippe contre-avelle, Philippe dit comme ça, est-ce qu'on comprend son appli? Et il dit, comment t'as fait comprendre? Comment m'a fait comprendre si pas de monde? C'est pas grand monde qui peut expliquer. Comment m'a fait comprendre? Parce que comprendre la parole de Dieu, la Bible, c'est juste une écriture. Mais lorsque le Saint-Esprit enseigne l'écriture, devient la parole de Dieu. C'est juste une écriture. Mais le Saint-Esprit prend contrôle de l'écriture, ça. Mais le Saint-Esprit qui a enseigné l'écriture, ça, il n'est pas seulement une écriture, c'est la parole vivant de Dieu. En plus, on a cherché rang, on a cherché place dans l'évangile. On a cherché gros rang, on a cherché gros l'église, gros tabernacle. On a cherché qu'on qui place, on a mette yo. On prend qui ça, on prend le devenu, on entre dans l'église ça. Mais maintenant, est-ce qu'on quitte Saint-Esprit, bon place? Est-ce qu'on quitte Saint-Esprit, Guido? En plus, l'église plein avec monde, mais qu'on manque de Saint-Esprit. Lorsqu'on entre dans l'église là, on pas senti la présence du Saint-Esprit. On pas senti ou là, on pas senti ou on pas senti. Pour qui ça? Parce que c'est talent qui a fonctionné, c'est professionnalisme, c'est habilité qui a fonctionné. Mais l'Esprit de Dieu pas là. Dans mon une parenthèse pour me dire que don, talent, yo ka détruit ou dans un moment. Y a détruit ou facile. Celle ça qui a sauvé au frère Msem, c'est caractère avec don qu'on gagne. C'est caractère l'esprit ba ou avec don qui nan moun. Yon don ou bien yon talent sans caractère, mon ka rele yon poison. Parce que li ka détruit d'un moment à l'autre. Lorsque, dans acte 1er verset 8, Jésus dit comme ça, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous,
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça me donne à comprendre, c'est que cette extension du règne du Christ, l'était étant prophétisée déjà dans l'Ancien Testament. Lorsque lit Ésaïe 49, verset 6, Ésaïe était étant prophétisé extension du règne de Christ. Ésaïe 49, verset 6, il dit comme ça, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les réchappés d'Israël. Je ferai de toi la lumière des nations afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Acte 13, verset 47, nous jouons Jésus-Christ, apôtre Paul, il dit comme ça que, car le Saint-Esprit nous l'a ainsi commandé, je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'aux extrémités de la terre. Cette extrémité du règne de Christ n'est pas le Jésus-Christ vini, l'élargit, mais il était guettant à prophétiser déjà. Il était guettant à prophétiser que le règne de Christ l'a élargi sur toute surface de la terre. Maintenant, mission part ou même, c'est prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Mais on ne rend compte où juste vient l'église chaque dimanche seulement. Est-ce qu'on fait partie de l'extension du règne de Christ là? Est-ce qu'on fait partie de l'extension ça pour prêcher la parole de Dieu à travers le monde? Est-ce qu'on mieux dans le bus là? Est-ce qu'on mieux dans le travail là? Est-ce qu'on mieux avec les gens qui ont besoin de la parole de Dieu? À chaque fois qu'on parle de la parole de Dieu, c'est extension le règne de Christ que on a fait sur la terre. À chaque fois qu'on parlait de la parole de Dieu, ou extendly avec un autre monde qui besoin d'entendre la parole de Dieu. Et les œuvres de l'Esprit confirment sa personnalité. Nous te dit au départ que l'Esprit de Dieu n'a pas fait rien sans lui pas en accord avec le Père, sans lui pas en accord avec le Fils. Il n'y a pas qu'à agir contre sa nexaïo qui est en fait. Nous avons 7 points, 7 œuvres que l'Esprit il travaille dans nous. Premier point, c'est l'Esprit nous enseigne. L'Esprit rend témoignage. L'Esprit nous dirige. L'Esprit nous régénère. L'Esprit nous convainc. L'Esprit intercède. L'Esprit commande. Nous ne pouvons pas parler tout, mais nous t'arrêtons de parler sous deux là-dedans. L'Esprit enseigne. Laissez l'Esprit qui a pensé. Il n'a pas fait l'autre bagage, c'est continuer l'enseignement de Jésus-Christ. Nous disons au départ que la Bible, c'est juste une écriture. Mais l'Esprit enseigne. La Bible dit que l'Esprit a vint sous pour conduire dans toute la vérité. Et ça, c'est que dans le monde où on vit, on ne peut pas dire ça vrai. On ne peut pas dire ça vrai. Mais c'est sauf l'Esprit de discernation, l'Esprit de Dieu qui permet de comprendre la Bible qui est la parole de Dieu. Et la permet de marcher dans la vérité. Et c'est l'Esprit qui a enseigné. Il n'a pas enseigné au même genre avec le monde qui enseigne. L'enseignement et enseignement toujours vient du cœur. Enseignement toujours frappé cœur. Parce que transformation est toujours faite en dedans. Et dernier point, c'est que le Saint-Esprit commande. Dans le moment où on a vécu, on a dit qui est-ce qui a commandé. Qui ça qui a commandé? Est-ce que c'est un pasteur qui a commandé? Est-ce que son page Facebook qui a commandé? Est-ce que c'est
et un travail qu'on gagne cap commando, mais qui ça cap commando dans le moment là? Dans le moment na vive aujourd'hui, qui ça cap commando? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu cap commando? Non, me poser cette question ça, qui ça cap commando? Qui l'esprit cap dirige? Parce que tout ça nous besoin c'est l'esprit de Dieu qui pour conduire nous dans toute vérité. Et lorsque l'esprit de Dieu cap dirige nous, c'est sûr que l'a mené nous au bon port parce que nous cap faire confiance dit qu'on côté le praler. Bien que nous-mêmes nous pas connaît côté le praler parce que c'est lui-même qui connaît côté le praler. C'est l'esprit qui dirige. C'est l'esprit qui commande. C'est l'esprit qui régénère. Frères et sœurs, je dis à ma fini pour me dire que l'esprit de Dieu, il y a une puissance là-dedans. L'esprit de Dieu, lorsque nous avons l'esprit de Dieu, nous avons la toute puissance de Dieu. Nous gagnons la toute puissance de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est égal au Père, égal au Fils. Parce que dans l'intégrité, on voit ensemble avec nous la puissance. Pasteur Ulrich, on voit avec nous tout la puissance de l'Esprit. Maintenant, est-ce qu'on veut l'Esprit ça, la puissance de l'Esprit manifester dans nous-mêmes? Est-ce qu'on veut le manifester là, Kaou? Parce que la puissance de l'esprit libère pouvoir sur les maladies, libère pouvoir sur les démons, libère pouvoir sur les adversaires. C'est la puissance de l'esprit. Qu'est-ce que tu as un problème ou yon, pas pourquoi? Parce que le Saint-Esprit là avant éternellement, ou pas supposé entrer dans un combat pour contre, parce que l'esprit là avant éternellement, non sans yon connu pas pourquoi? Parce que l'esprit là avant éternellement. Il est là éternellement. Et dans le combat, il faut faire bon Dieu confiance parce que dans Exode 14, verset 14, il dit comme ça, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Pas montrer c'est vous-même qui avez fait, pas montrer c'est vous-même qui avez contact dans le téléphone, qui avez fait le plus bien, qui avez fait le plus bien. Quittez bon Dieu, fait ça, la fête. Bien que le paraît difficile, bien que le cas paraît noir, mais quittez bon Dieu, fait ça, la fête. Nous avons compté sous pied pour nous prier. Pour la puissance de l'esprit qui nous salle ça. Pour la puissance de l'esprit qui régénère. Pour la puissance de l'esprit qui enseigne. Et nous déjà connaissons que la puissance de l'esprit nous salle ça depuis le commencement qui a fait travail. Ça m'espérait pour nous chaque. Personne ne pas entrer dans la route de Saint-Esprit. Qui te le fait travailler. Qui te le fait travailler là, où, dans la famille, dans l'église. Là. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui commande. Adorable Père Céleste, Dieu de gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne savons pas comment nous remercier pour la présence. Nous ne savons pas comment nous remercier pour Saint-Esprit qui est dans la salle. Ça. Nous ne savons pas comment nous remercier au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour le travail spécial que fait dans la vie de chaque monde qui l'a. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous connaissons même gens qui te promettent Saint-Esprit à venir pour le conduire nous dans toute la vérité. Même gens qui te promettent Saint-Esprit à venir pour être avec nous comme un consolateur. L'Éternel Dieu des âmes, nous connaissons une série de monde, Papa bon Dieu, qui besoin d'un consolateur. Une série de monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui besoin de la manifestation du Saint-Esprit dans la vie. Il y a des gens qui ont besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour le Saint-Esprit révéler et réveiller dans la vie au Seigneur. Je demande, s'il vous plaît, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ou va descendre, Papa, mon Dieu. Qui est dans le sommeil, Papa. Qui est qui a dormi. Je demande pour le Saint-Esprit réveiller, afin que l'ampio va gagner l'huile là-dedans. Il va l'humain. Et il va l'humain pour rencontrer et pour. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel.